Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce 9e épisode de l'émission Book, une émission qui, comme son nom l'indique, fait la part belle à la lecture. Ce soir, je vous propose une émission spéciale consacrée à la grande littérature française. Oula, ne partez pas tout de suite, ne soyez pas effrayés par cette grande littérature française qui nous renvoie direct sur les bancs de l'école, en cours de français, devant un professeur sévère au regard inquisiteur, qui nous oblige de lire ces classiques que sont le Cid de Corneille, le Malade imaginaire de Molière ou encore le Rouge et le Noir de Stendhal, alors que nous autres, pauvres petits écoliers en herbe, étions plutôt absorbés par Pif le Chien, Tintin et Spirou. Mais en grandissant, les goûts se font plus raffinés et la curiosité l'emporte lorsqu'on rencontre des personnes passionnées et érudites qui nous donnent l'envie de nous pencher sur un pan tout entier de la culture française. Car oui, mes amis, la littérature française est grande. Elle est étudiée de par le monde, alors que notre langue, une des plus belles et des plus fournies, est délaissée au profit de cet anglicisme qui fait office depuis bientôt plus d'un siècle de langue officielle des mondialistes. Mais que nenni, la langue française survivra aux ténèbres de la novlangue grâce à celle, et ce, à l'instar de mon invité de ce soir, qui perpétue la noblesse et la grandeur de notre langue à travers leur amour de la littérature française. Mon invité de ce soir est un bibliophile. Un bibliophile, c'est un amoureux des livres qui recherche et qui conserve avec soin les livres rares et précieux. Il se nomme Alexis Chevarnet, c'est l'animateur de la chaîne des Paluches et des Bouquins, à travers laquelle il transmet sa passion du livre en interviewant des auteurs qui nous émancipent par le biais de leurs travaux respectifs. J'ai demandé à Alexis de nous sélectionner 10 livres de sa bibliothèque personnelle. La tâche a été plutôt ardue, tant et pléthore sa collection de livres anciens. Loin d'être ennuyeuse, je suis certain que sa sélection étonnante et fort originale va réveiller en vous le goût de la lecture de ces grands classiques de la littérature française. Bienvenue, Alexis Chevarnet. Bonsoir, merci Gilles de m'accueillir. Ça fait plaisir de se retrouver de l'autre côté. Habituellement, j'interview. Maintenant, c'est à ton tour. Voilà. Eh oui, tu vois, les rôles sont inversés ce soir. Je suis un habitué de ta chaîne que je regarde assidûment. Oui, je t'envoie quasiment un entretien par semaine. Mmh. Donc, voilà, d'auteurs dans un certain courant, des auteurs qui ne sont pas forcément mainstream, hein, des gens qu'on ne voit pas justement dans les médias mainstream, qui ont chacun leur domaine d'expertise. En tout cas, je conseille, tu sais, les membres du club de regarder ta chaîne, de s'y abonner, et vous qui regardez le replay, de vous intéresser à la chaîne des Paluches et des Bouquins. Alors, je t'ai posé un peu un défi, hein. Je t'ai posé un défi de nous sortir 10 livres de cette grande littérature française et tu m'as dit, bah, mais je ne peux pas en mettre un petit peu plus. Mais non, le concept de l'émission, c'est top 10, tu vois, donc il faut en mettre 10. Est-ce que ça a été une tâche ardue pour toi? Ah oui, réellement, parce que je m'étais amusé justement à faire une liste il y a quelques années pour des personnes qui me l'avaient demandé concernant, une dizaine, vingtaine, trentaine d'ouvrages et j'étais arrivé à une centaine qui était pour moi très important, prédominant sur tout le reste de la littérature. Donc après, c'est subjectif. On peut trouver certains livres qui sont, que l'on peut retrouver chez d'autres personnes, chez d'autres lecteurs, qui seront les mêmes. Hein. Là, j'ai essayé d'être un poil original. Pour ceux qui sont toujours dans le milieu, bon, c'est des titres qu'ils peuvent connaître. Mais là où c'est original, c'est, on va dire, la teneur de chacun de ces livres. C'est ça qui est important. Je ne vais pas présenter du poche. Le poche, c'est moche.
Hein. Alors, malheureusement, moi, c'est le poche en fait que je vais présenter parce que c'est des images que j'ai trouvées parce que la sélection de livres que tu nous as donc choisi, ça date du début du 20e, même c'était du 19e aussi. Certains, donc, c'est vraiment des livres qu'on peut retrouver occasion avec des anciennes, je dirais, éditions. La plupart sont édités également en poche. C'est vrai que le livre de poche, je suis d'accord avec toi. Je suis pas forcément friand du livre de poche, mais quelquefois le livre de poche permet, je dirais, un ticket d'entrée avec un prix quand même très très modéré pour pouvoir accéder, je dirais, à ces lectures. Donc tu nous présenteras toi les éditions, je pense, originales, et moi je présenterai les éditions moches. Voilà. D'accord. Si je peux me permettre, tout de même, on peut trouver au même prix que les poches de vieilles éditions. Ce n'est pas forcément les éditions originales, mais si on chine bien, je prends à titre d'exemple deux ouvrages, deux de Jacques Lacretel, qui est des éditions Service Presse, donc qui étaient envoyés aux journalistes, qui étaient signés, donc qui avaient un envoi, que j'ai payé 2 euros pièce. Ouais. Ça, vous les retrouvez à 100 euros après. Et mon plus beau, la plus belle pêche, et La Joie en édition originale de Georges Bernanos, ouais. Avec un envoi, donc une dédicace de Georges Bernanos lui-même, qui m'a coûté que 7 euros. C'est un ouvrage en édition originale qui peut aller dans les 500, 600, voire 800 euros facilement. Oui, c'est ça. Ça fait partie de ta passion, justement, d'aller chiner. Moi, personnellement, il ne faut pas être pressé. On peut trouver également des livres d'occasion. En général, moi, je prends les livres d'occasion sur des éditions qui sont épuisées. Mais je préfère prendre aussi puis faire travailler les éditeurs et puis engranger de l'argent pour les auteurs également. Voilà. Alors, on ne va pas perdre de temps. Tu sais que tu as assez peu de temps. On va essayer de faire tenir ça dans une heure. On va commencer par un premier livre, en fait. C'est le numéro 10. C'est en fait un livre de 1926, donc de Henri Béraud. Alors, je vais vous présenter. Donc, c'est Le bois du Templier pendu. Donc toi, tu as eu quelle édition de ce J'en ai plusieurs, j'en ai moins 5. Ah, t'as moins 5 éditions. J'en ai sorti 3. Ah, okay. Pour commencer, alors celui-ci n'est pas une édition originale, mais il est tiré d'édition originale. Donc je crois que celui-ci, c'est ce qu'on appelle le 57e mille. Donc c'est la 57e édition, car ça a été un livre à succès. Mais, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il a été gratifié d'un envoi d'Henri Béraud, que voici. Hop, okay. Je vais approcher vers la caméra. Ok. Magnifique. Ça, c'est très important. Béraud, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément trop signé, donc c'est assez recherché et ça cote quand même. Ce qu'on appelle les grands papiers. Donc ça, ce sont des tirages de tête. Les grands papiers, c'est ce que vous voyez, donc les témoins, ça déborde, ça dépasse, je vais vous montrer. C'est pas massicoté, donc le livre. Ah, c'est pas massicoté, donc c'est des cahiers en fait qui sont comme ça façonnés, sans être massicotés sur les Alors, côtés. Ce qui fait qu'ils sont neufs et on l'a. Pourquoi les cahiers sont intacts? Car les gens avant reliaient leurs livres. Avant de relier un livre, il y a un massicotage. Donc pour pas avoir de pertes, on avait quand même ces témoins de grands papiers. Alors les grands papiers, donc ce sont des papiers de qualité supérieure. Celui-ci, je vais te dire rapidement, je ne vais pas non plus m'étaler trop. Il fait partie de ce qu'on appelle les 270 exemplaires sur papier velin, pur fil de la Fuma. Celui-ci, c'est numéro 173. Donc, il a sa valeur. Le bois du Templier pendu aussi a été illustré, parce qu'il faut savoir, à l'époque, la littérature illustrée avait vraiment sa place. Aujourd'hui, plus du tout. Et on verra qu'après-guerre, et notamment vers mai 68, comme par hasard, le lait apparaît dans la littérature illustrée, et après, plus rien. Donc là, on a une édition qui est ce qu'on appelle une édition originale aussi, mais dans la partie illustrée, qui est sur un verger Hollande. Donc il a été tiré à très très peu d'exemplaires. Celui-ci, numéro 92, je crois qu'il y en avait à peine une centaine. Donc, une illustration, je crois que ce sont quelques gravures, je montre rapidement si le type d'illustration. Voilà, c'est un, on appelle ça peut-être des romans graphiques aujourd'hui, donc c'est des romans illustrés. Oui. Ok. Il y a le roman intégral, plus donc des illustrations. Donc, on a les lettrines, et puis les frontispices sont agrémentés justement de gravures. C'est magnifique, vraiment. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous ces livres...
dans leur édition originale, reliée ou bien illustrée, ça donne une autre dimension à la lecture. Quand vous lisez dans un poche, c'est pas la même approche, vraiment. Alors, ouais. De plus, lorsque vous avez un ouvrage qui a été signé par l'auteur, il y a le côté fétichiste dessus. Vous dites que cet auteur vous chérissez, vous aimez ses écrits, a pris ce livre en main, l'a signé, a déposé, donc, comme je vous l'ai dit, une dédicace plus sa signature, l'a daté, parfois à d'autres auteurs. Hein. J'ai des envois, donc des dédicaces qui ont été faits pour d'autres auteurs. Et ça, c'est magnifique. Oui, c'est le côté, je retrouve là le côté fan même qu'on a dans la musique avec les objets collector. Ça sort un petit peu, je dirais, du contexte, parce que là, on parle de je dirais, plus d'émotions, de sentiments, hein, une approche un peu plus, je dirais, individuelle par rapport à l'œuvre. Qu'en est-il de cette. Est-ce que c'est un roman? Oui, c'est un roman qui fait partie. Tu peux nous le pitcher? Alors, il fait partie d'une trilogie. Donc, il y avait Luron de Sabolas et Ciel de Suie. Et ça se passe donc non loin de Lyon, donc à Sabolas, mais qui s'appelle Satolas. Et en vérité, c'est le lieu, pas de naissance, mais le lieu familial d'Henri Béraud. Et Henri Béraud raconte dans Le Bois du Templier Pendu, sur plusieurs siècles, l'évolution d'un village qui a eu difficulté à cultiver sa terre, qui était une terre ingrate, qui a été soumise, aux divers gouvernements qui ont pu passer, notamment on parle de monarchie. Donc Béraud, ce qu'il faut savoir, est un républicain, je le dis. Il aime la République. Il a écrit d'ailleurs un roman qui s'appelle Mon ami Robespierre, 14 juillet. Mais il n'est pas forcément très négatif concernant la monarchie. Donc, au travers de cet ouvrage, on va voir donc à travers différents siècles jusqu'à l'avènement de l'industrie, comment ce village a pu s'en sortir avec des épisodes vraiment terribles. On parle notamment, tu sais, des famines et des problèmes climatiques qu'il y a pu y avoir au moment du règne de Louis XIV. Donc, il n'y avait pas de fuel, il n'y avait pas de gaz d'échappement, il n'y avait pas de réchauffement climatique. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, au travers de cette histoire, que la planète avait été sur un cycle de réchauffement et de refroidissement. Car on parle à Versailles de températures tellement basses que durant les banquets, les dîners, les verres gelaient. Très intéressant parce que c'est vrai qu'on apprend énormément de l'histoire. Aujourd'hui, on pense que tout est nouveau, mais lorsqu'on se penche, comme tu le fais là, sur l'histoire, on peut retrouver justement dans cette, je dirais, grande littérature historique des faits que l'on peut, je dirais, comparer à ce qui se passe à notre époque. Bon, tu nous parlais de la République, ça tombe bien, on a fait un numéro d'histoire sur Robespierre. Donc voilà, on pense ce qu'on veut en fait de la République, mais en dehors des idées politiques, c'est un roman, plutôt un roman historique. Oui, ça reste. Décrit une époque. Ça reste un roman historique. Béraud a écrit des romans historiques, notamment on a le Vitriol de Lune qui se passe sous Louis XV. Qui est une fiction intégrée, on va dire, sous le règne de Louis XV et qui touche la mort de Louis XV. Donc, il a fantasmé tout un synopsis autour de sa mort. Je ne vous raconterai pas. Il faut savoir que c'est en 1921, il a été goncourisé. Donc, il a eu le prix Goncourt, plus avec le Martyr de l'Aubesse qui est sorti la même année. Donc, il a eu le prix Goncourt. Pardon, je me trompe, en 21, on avait eu le Vitriol de Lune, en 22, le Martyr de l'Obèse, et en 22, les deux ont été couronnés en même temps du prix Goncourt. Donc c'est important, ce sont des ouvrages magnifiques, le Martyr de l'Obèse est exceptionnel. Ça traite justement d'un homme qui est obèse, son rapport avec les femmes, son rapport avec les gens, le regard des gens, c'est excellent. Ce n'est pas un roman, c'est un roman un peu autobiographique, parce que Béraud était un peu obèse. Okay. Je voudrais juste faire un petit aparté sur Béraud avant tout. Oui. C'est,
savoir et en comprendre les fondements de sa littérature, et qui il était. Béraud, à la base, était un homme de gauche qui ensuite s'est tourné vers ce qu'on peut appeler l'extrême droite aujourd'hui. Il a été taxé d'antisémite. Il avait notamment collaboré dans Je suis partout, bien d'autres journaux, donc c'était aussi un journaliste. Il était l'ami de Joseph Kessel, et Joseph Kessel s'est brouillé avec lui à ce moment-là, parce que Joseph Kessel était juif d'origine argentine, et il s'est brouillé donc avec Henri Béraud. Henri Béraud a été condamné à mort par contumace, donc il devait être au moment de la libération pendu ou fusillé. Il a été gracié. Il était atteint d'une hémiplégie, je crois qu'il est sorti, si je ne m'abuse, en 1952. Et ce qui est intéressant aussi, il y avait une amicale des Béraldiens, donc Henri Béraud, dont je fais partie, qui est tenue par Francis Bergeron. Donc on peut retrouver Alain de Benoît, Alain Soral, des libraires, un peu tout le monde dedans. Nous sommes dans cette amicale. Et chaque année, on nous envoie des fascicules de cette amicale qui traite d'un sujet sur Henri Béraud. Et parfois il y a des marches aussi au moment de la date d'anniversaire de son décès sur l'île de Ré, à Saint-Clément-des-Baleines, d'où il était, et je crois qu'il a été même embastillé par là-bas. Oui, chaque auteur en fait a une histoire quand même qui est fournie, qui est chargée. Pourra pas malheureusement aller trop dans le détail avec cette première liste. On va passer sur le neuvième livre. Alors celui-là est peut-être un petit peu plus, je dirais, connu qu'Henri Béraud. Donc c'est, tu vas nous le présenter, donc c'est Terre des Hommes d'Antoine, donc de Saint-Exupéry. Voilà, c'est un roman donc qui a été publié en 1939. Voilà, La Terre des Hommes de Antoine Saint-Exupéry. Alors voilà, lui aussi, personnage quand même qui a marqué l'histoire. Pourquoi ce roman de Terre des Hommes ? Ce n'est pas un roman, ce sont des récits. On pourrait appeler ça une sorte de nouvelle, mais tu as un récit qui est central, vraiment central, et qui est le plus grand, qui est celui... Alors, je vais situer. Terre des Hommes, on va dire, c'est un roman qui va traiter de différentes thématiques. On va appeler la mort, l'héroïsme, l'humanisme. Donc, ce n'est pas l'humanisme au sens des loges maçonniques, pas du tout. C'est un humanisme sain, on va dire. Et Saint-Exupéry, travaillait pour l'aéropostale entre les deux guerres. Donc, il volait, donc c'est un pilote, il volait pour livrer le courrier, notamment, alors il a fait plusieurs lieux, il partait de Toulouse pour livrer le courrier, il s'arrêtait en Espagne, puis il faisait des étapes au niveau du Maroc pour aller en Libye et revenir. C'était assez long, c'était périlleux, il y avait beaucoup d'accidents, c'était des avions qui étaient assez frêles, assez fragiles, c'était encore les balbutiements de l'aviation, si je puis dire, ou presque. Il a livré aussi pour l'aéropostale en Amérique du Sud, donc on a Vol de nuit aussi, qui est sublime, qui témoigne un petit peu de tous ces épisodes, où il parle à un moment de plusieurs tornades, il est pris entre plusieurs tornades, et il se faufile entre ce péristyle de tornades, ce qui est assez sublime. Et pour en revenir à celui-ci, donc on a cette histoire qui est centrale, qui est le crash, donc tout est vrai, dans le désert libyen, et ils n'ont plus d'eau, plus rien, juste une orange. Ils sont en plein désert libyen, donc dans le Sahara, et il va falloir qu'ils se sortent de là. Donc ils vont trouver tout un tas de subterfuges qui sont, par exemple, de prendre le parachute, la nuit de l'étendre, et d'en faire imprégner, l'arroser pour ensuite le boire. Sauf que le parachute est imprégné de kérosène. Donc ils vont boire cette eau en la pressant, ils vont tomber vraiment malade. Ils n'ont plus rien, mais vraiment plus rien. Ça va durer plusieurs jours, ils vont tenir. L'un va partir d'un côté, l'autre de l'autre, jusqu'à ce que le trépas commence à les appeler, et ils vont avoir, vous savez, le trouble du mirage, voire de l'eau, voire des apparitions, jusqu'au moment où un bédouin va passer, et il dit, j'ai plus le texte sous les yeux, mais il dit, si ce bédouin n'avait pas fait un quart de tour de tête, jamais il nous aurait vus.
et nous serions morts. Et il fait une ode à l'eau dedans qui est « Oh, tu as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir, on te goûte sans te connaître, tu n'es pas nécessaire à la vie, tu es la vie. » Si je puis dire, tu sais, ce passage m'a fait, bon, m'a tiré les larmes d'émotion, hein, non de tristesse, parce que Saint-Ex, c'est vraiment une plume sublime, vraiment sublime. Je vous encourage à lire cet ouvrage. Oui, très belle plume de Saint-Exupéry. Et c'est vrai que, oui, c'est une, comme tu dis, une forme de récit. C'est d'autant plus, je dirais, poignant que ces personnes, en fait, racontent ce qu'elles ont vécu. Donc, ça participe comme ça. C'est pas de la, je dirais, une création voilà, littéraire ou romanesque. Ça s'inspire vraiment de Alors, il est mort jeune, hein. Il est mort jeune, il est mort en 44, chez toi, hein, sur les côtes de Marseille. On a retrouvé son avion il y a peu de temps, donc c'est au moment de la guerre, parce qu'il était pilote de guerre, hein, durant le second conflit. Donc, il est mort à 44 ans. Saint-Exupéry vient d'une famille noble. J'aime cette personnalité, un personnage issu d'une famille noble et qui s'est battu pour son pays. Il y en a peu aujourd'hui et c'est sublime. Ça me fait penser un petit peu au dernier roi chevalier, je pense notamment à Henri le Grand, Henri IV. Ouais, au passage, dans son tombeau à Saint-Denis, enfin, de ce qu'il en reste. C'est vrai que les guerres sont atroces, mais les guerres font également mettre en valeur les grands hommes, les actes héroïques. Voilà, ceux qui s'illustrent. Ouais. On va parler d'un autre grand auteur, c'est un roman là, de 1913. Pas un roman. C'est pas un roman non plus. Voilà. Non, c'est très particulier comme œuvre. Celui-ci, il vaut son pesant d'or. C'est une édition originale, il n'y a eu que 1000 exemplaires. La reliure est sublime. Alors, attends, je vais essayer de voir, parce que moi je vois à l'envers. Voilà, donc c'est Ève de Charles Péguy. De Charles Péguy, vous pouvez voir la reliure, donc est tout à fait sublime. Paru au Cahier de la Quinzaine. Donc les Cahiers de la Quinzaine étaient l'œuvre de Charles Péguy, l'œuvre éditoriale de Charles Péguy. Hop, c'était à côté de la Sorbonne, donc c'était rue de la Sorbonne, au rez-de-chaussée, ouais. Comme ça. Donc il y a eu beaucoup de choses autour des Cahiers de la Quinzaine. Je vais m'arrêter sur Ève. Ève, ouais. C'est la dernière œuvre de Charles Péguy, car donc 1913, Charles Péguy est parti sur le front, est mort. Et ce qui m'a touché, parce que c'est une œuvre poétique, donc sur Ève, c'est 400 pages de quatrain. Je ne suis pas un aficionado de la poésie. Ouais. Mais celui-ci, c'est quelque chose, il a tout son sens, parce que je vais vous lire un passage. Et ce passage est prophétique de la mort de Charles Péguy. Ouais. Donc il dit « Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol, à la face de Dieu. » C'est là que c'est important. « Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, et les pauvres honneurs des maisons paternelles. » Après, ça continue. Alors, pourquoi je dis que cette partie-là est prophétique? Parce qu'il dit « coucher dessus le sol, à la face de Dieu. » Péguy a pris le devant lorsque son capitaine fut décédé, donc Péguy était lieutenant, s'est levé, il devait attaquer la baïonnette à 3 km devant eux, les Boches. Il s'est levé, il a donné le signal aux autres, certains sont morts, et une balle l'a transpercé. Juste son dernier mot était « Mais mon Dieu, mes enfants !» Il est tombé la face contre terre. Voilà, voilà pour Ève. Pourquoi c'est une œuvre qui est très émouvante. Donc c'est aussi des Français très téméraires. On a des contemporains comme lui qui sont morts. Ils se connaissaient, dont Alain Fournier qui a écrit Le Grand Maulne. Nous avions Ernest Psicari, Louis Pergaud, l'auteur de La Guerre des Boutons, qui sont tous morts à la guerre de 14. Ils étaient jeunes. Péguy avait 40 ans. Voilà à peu près pour l'histoire. Je ne veux pas te retarder, je sais qu'il y a d'autres livres à présenter. Non, au contraire, c'est passionnant, justement, quand tu tu nous fais vivre, en fait, voilà, cette passion de la lecture. Ça peut paraître effrayant, comme je l'ai écrit en introduction, hein, parce que ça nous rappelle
Tu sais, quand on nous forçait à lire, moi enfant, j'aimais pas forcément lire. J'ai un papa qui était imprimeur, donc je suis né dans les livres, en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai fini auteur, tu vois. Mais je me suis retrouvé de l'autre côté. Donc j'ai cette passion des livres, tu vois, cette passion des belles reliures, comme tu me dis, voilà, les cahiers, ces reliures cuir qu'on faisait. On reliait les premiers exemplaires d'un livre, peut-être 5 ou 10 exemplaires uniquement pour l'auteur, tu vois, avec comme ça ces éditions rares, entre guillemets. Donc, je comprends cet amour du livre. Et en même temps, ça peut, je dirais, ça peut effrayer certaines personnes parce qu'on a ces mauvais souvenirs de l'école. Voilà. Est-ce que toi, cette passion de la lecture, tu l'as eue très tôt ou elle t'est venue un petit peu plus tard? Si, elle est venue très très tôt. Je lisais, ma grand-mère m'offrait à Gibert Jeune les bibliothèques vertes de l'époque, tu sais, les plus anciens avec les Six Compagnons, Michel, Ouais. tous ces ouvrages-là qui coûtaient 50 centimes de francs à l'époque. Donc j'avais une énorme bibliothèque verte. J'avais d'autres choses, hein, des folios juniors où tu retrouves des classiques. Et non, non, j'ai toujours lu. Je me suis intéressé ensuite à la bande dessinée. Puis, moment, parce que je viens des Beaux-Arts, donc j'ai fait les Beaux-Arts de Paris, Ouais. j'étais vraiment un passionné d'art, et j'avais deux bibliothèques remplies de livres sur les arts en général. Une bibliothèque où je recherchais des livres qui étaient rares, donc des catalogues d'exposition, ce genre de choses. J'allais en galerie, je parcourais les galeries pour trouver certaines. J'allais aussi à des. Même dans les Beaux-Arts, il y avait une brocante tous les ans qui bradait les livres. Les catalogues d'exposition, il y en avait Ouais. même. Donc, je ne possède plus ces bibliothèques, car j'ai eu besoin pour justement C'était pas récupérer. juste l'amour de posséder en fait une Non, œuvre ou un livre, je lisais. voilà, Ça m'a permis d'étudier. d'acquérir. Tu sais, ça met de frustration en général. J'étais toujours un piètre élève, mauvais élève. J'étais très, très agité. OK. J'étais viré d'établissement et non des moindres, même d'un pensionnat catholique qui nous serrait bien la vis. Et j'ai réussi quand même à me faire virer de ces établissements. Et de là est née quand même une énorme frustration, c'est de voir les autres accumuler un peu de connaissances par le biais de l'école, parce que je n'arrivais pas à m'adapter à l'école. J'étais quelqu'un d'autodidacte, le dessin me faisait tenir, la lecture aussi. Et c'est ce qui m'a permis ensuite un petit peu de tenter de m'élever. Ce que je veux dire en cela, c'est qu'il ne faut pas attendre quoi que ce soit de l'école, et surtout pas de l'école républicaine. Il faut cheminer et aller chercher la connaissance par soi-même. Donc oui, certes, il y a un côté autiste, si je puis dire, ça va faire sourire Marie-Souila, qui doit me regarder en ce moment, que je salue chaleureusement, car nous sommes autistes tous les deux concernant les ouvrages. Elle aussi s'intéresse à la bibliophilie. Il y a très peu de femmes, d'ailleurs, qui s'intéressent à la bibliophilie, ce qui est fort dommage. Elle a la chance de s'y intéresser. C'est surtout un milieu assez masculin, et d'un certain âge. Parce que c'est souvent des héritages. On va continuer dans ta sélection avec un livre donc là de 1884. Donc j'ai trouvé une version de poche, excuse-moi. Donc donc il s'appelle Joris Karl Huysmans, c'est un français, hein? Huysmans. Alors, moitié Voilà. hollandais, moitié français. Voilà, son père était hollandais, sa mère était française. Ok. Voilà. Donc c'est à rebours. C'est ça. À rebours, que voici. Donc, celui-ci, c'est une édition, alors, originale illustrée. Parce que j'ai une édition originale aussi. Mais cette édition illustrée, donc, elle date de 1920 et est tout à fait splendide. Magnifique, elle est en Elle est couleur. magnifique. Vraiment magnifique. Et c'était Auguste Leroux qui était, donc, il avait aussi illustré, comment dire, les Histoires extraordinaires, Nouvelle Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire. Et là, nous avons on a un frontispice, un portrait de Joris Karl Huysmans. Je vais vous dire très rapidement de quoi il s'agit, parce que là, je me retrouve dans ce roman. Ce roman est un ovni, il arrive à la période donc dite naturaliste. Donc, on va parler de Hennig, Zola, Maupassant, et j'en passe. Et je vous montre une autre illustration. Et ce roman a fait vraiment une scission dans le naturalisme. Il a été boudé, il a été très critiqué. Et attendez, parce que ça vaut quand même le détour. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et ce roman, si, en quelques mots, il s'agit de Des Esseintes. Et Des Esseintes,
va percevoir un héritage, et cet héritage, il va s'acheter une maison à Fontenay-aux-Roses, une grande maison, une belle maison bourgeoise, et il va s'enfermer dans cette maison, et il va vivre de ses passions. Donc il va dilapider tout son argent, son pécule, dans les belles reliures, donc il va se faire une bibliothèque absolument sublime, dans les belles tentures, dans des fleurs très rares, des orchidées très rares, des poissons, des objets sublimes, dont une tortue, une immense tortue incrustée de joyaux. De Pierre Piacelle qui va mourir en fait. Oui, c'est ça. Il va notamment, il va aller voir des filles de joie, des gagneuses, non pas des moindres. Ouais. Sauf que vers la fin, il ne va plus supporter cet enfermement. Bon, je ne peux pas vous en dire plus, mais on vit dans un huis clos. Tout le roman est dedans. Ouais. Donc, ça a cassé les codes du naturalisme. On faisait des études de mœurs à l'époque, qui étaient sur ceci, cela. Il l'avait fait avec les sœurs Vatar, par exemple, qui était d'ailleurs un ouvrage écrit en guerre gothique. Et puis j'en passe. Donc, Huysmans a eu plusieurs étapes. Il y a eu une étape symboliste aussi, une étape, dirions-nous plus, religieuse, ecclésiastique, avec En route, l'Oblat, c'est le dernier, et la cathédrale. Il a eu aussi une période dite dans le symbolisme satanique, avec Là-bas. Il a eu aussi, entre le symbolisme et le comment on appelle ça, le naturalisme, il y a eu Enrade, que j'aime énormément. Et Joris Karl Huysmans était un homme assez particulier, puisque à la fin il s'est converti au catholicisme et il s'est, comment on appelle ça, il a voulu aller dans les ordres, mais décédé donc d'un cancer de la mâchoire. Voilà à peu près pour Huysmans, que je vous conseille d'aller lire. Là encore, un parcours hors norme. Rassure-nous, Alexis, est-ce que c'est assez facile à lire? Est-ce que c'est absolument... Oui, oui, oui. Enfin, alors, on peut se dire, c'est du vieux français, ça peut être du moins, toi. Non, non, c'est, ça reste. Est-ce que c'est donné à tout le monde, voilà, j'en sais rien. Franchement, je peux pas te dire. J'arrive pas à jauger, tu sais, modestement, quand tu lis beaucoup, tu es habitué à la langue, la belle langue, les beaux mots. Donc, quelque part, tu peux dépasser facilement n'importe quel type de lecture, sauf certains. Je prends Rémy de Gourmont, par exemple, qui est un peu la période symbolique, qui est assez difficile à lire. Villiers de l'Isle-Adam aussi pour certaines parties, je parle des mêmes périodes, qui peut être un peu plus ardu aussi à lire, mais Huysmans est lisible, enfin pour moi il le reste. J'ai entendu dire que non, j'ai été étonné. On va passer sur ta sixième sélection. Là c'est 1947, c'est un livre qui s'appelle Le troisième jour de Varande, de Jean de la Varande. Alors, Jean de la Varande, voici, donc, pareil, illustré par André Marty. Marty a illustré notamment Pierre Loti. C'est tout à fait sublime. Je ne savais pas qu'il y avait autant de livres illustrés comme ça cette époque-là. C'est incroyable. Ça marchait très, très bien. Ça marchait très, très bien. Donc là aussi, on est sur un tirage à 100 exemplaires. Il y a très peu. Oh. C'est un beau papier. J'aime Jean de la Varande. Pourquoi j'aime Jean de la Varande? Je me reconnais en cet auteur. En sous, c'était un auteur monarchiste, c'était un auteur normand. Il a écrit donc sur sa région, sur le Pays d'Ouche plus exactement, qui se situe dans l'Eure, dans le 27. Et il avait pris notamment pour son premier roman qui s'appelle Nez de cuir, qui a été porté au cinéma et été interprété par Jean Marais, le château de Beauménil, que je vous encourage à aller visiter, qui se trouve donc à Beauménil, dans le Pays d'Ouche. Et le troisième jour fait... plus ou moins suite, il peut se lire sans avoir lu avant Le Centaure de Dieu. Donc on est chez la famille des Tinchebraille, et Jean de la Varande va raconter sur plusieurs romans, ils peuvent se lire individuellement, j'insiste. L'histoire de cette famille noble, donc sous Nez de cuir, on a pu les connaître notamment au moment du Premier Empire. Là, on est à peu près au moment je ne me souviens plus, mais je crois le moment de la Révolution de Juillet, donc toute la partie Louis-Philippe, la monarchie de Juillet. Ce livre parle justement d'un enfant qui vit donc avec sa mère, chichement, donc il chasse, l'enfant chasse beaucoup dans ces immenses forêts du Pays d'Ouche, et... il va y avoir un noble, donc le comte de Tinchebraille, qui va s'intéresser à cet enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant est en réalité son petit-fils. Mais l'enfant ne le sait pas. Et donc, il va y avoir des rencontres dans la forêt, lorsqu'il vient en cabriolet, ce fameux comte.
Et on va savoir progressivement d'où vient l'origine de cet enfant, pourquoi il est en arrivé à vivre chichement avec sa mère au fin fond d'une forêt, petite maison. C'est ouais. Sublime. Et bon, il y a plein d'actions, il y a plein de choses dans ce roman. Je vous dis à peu près le thème pour faire très très vite. Ouais. Donc, Jean de La Varenne donc, était un auteur monarchiste, un auteur qui faisait partie de tout ce cheptel d'auteurs normands. On avait Michel de Saint-Pierre plus récemment, Jules Barbey d'Aurevilly, Guy de Maupassant. Nous avions Corneille, j'en passe, il y en a d'autres, ouais. Et c'est magnifique. Et il connaissait bien Michel de Saint-Pierre, il y a eu même un ouvrage avec des correspondances entre eux que je vous conseille de lire. Ouais, c'est intéressant que tu parles en fait d'un auteur monarchique, parce que en fait, l'école républicaine ne nous incite pas hein, à aimer la monarchie. Hein, surtout pas. Ah, surtout pas. Les manants du roi, je vous conseille de lire. Je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas, à mon époque, voilà, c'était déjà. Moi, c'était aujourd'hui, déjà, c'est pire. Voilà, je pense que ça s'est empiré, je pense. Ah, oui. Et en fait, de retrouver comme ça, je dirais, de relire et de lire, de découvrir ce type d'histoire, de roman, de récit, permet en fait de se rendre compte qu'en fait. Voilà, cette époque-là n'était pas peut-être une époque entre guillemets moderne, mais en fait, les gens ne vivaient pas tous dans la misère. Quoi. Voilà, il y a eu quand même, tu vois, une époque quand même flamboyante. On a appelé ça après le siècle des Lumières, mais avant les Lumières, c'était pas les ténèbres. Hein. Enfin, absolument pas. Jours, hein, tu vois, absolument pas. On témoigne cette littérature. Quand tu lis les Manants du Roi, qui est un recueil de nouvelles de Jean de La Varenne, tu vois, à partir de la mort de Louis XVI. Jusqu'à la monarchie juive, donc même avant, on parle de Louis XVIII. Donc, il va faire état de ce qu'était la monarchie à travers des nouvelles. On voit quand même une. Comment on pourrait dire. Un lien fort entre les hobereaux et les paysans qui travaillaient pour eux. Ils étaient sous une protection. Il y avait quelque chose, c'était très fort. Aujourd'hui, ça n'existe pas. On travaille pour le capital, on fait du rendement. Vois-tu, on est sous l'ère du chrétienisme, de la marchandise. On est sous le fétichisme de la marchandise, comme dirait Francis Cousin, qu'on salue au passage. Ouais. C'est malheureux, mais les gens vivaient mieux avant. Je ne dis pas que c'était l'idéal, c'était la perfection, mais la France est de monarchie de droit divin. Nous devons de croire en Dieu, au catholicisme, surtout catholicisme traditionnel aujourd'hui. On ne devrait pas dire catholicisme traditionnel, catholicisme est traditionnel. Ouais, on en a parlé un petit peu avec Marius Ouida, ah oui, notamment dimanche. C'est vrai qu'il y a, voilà, après on reviendra justement sur cette situation avec le Vatican II, parce que je pense que c'est très important de comprendre ce qui est devenu aujourd'hui le catholicisme. Voilà, référence, Michel de Saint-Pierre, Les Nouveaux Prêtres. Ça traite de Vatican II, il l'a écrit vraiment à chaud au moment de Vatican II. Donc, Les Nouveaux Prêtres, Michel de Saint-Pierre, lisez-le. Bon, donc le troisième jour donc, de Jean de La Varenne. Jean et, de La Varenne. La Varenne, pardon. Voilà. Pardon, La Varenne, excusez-moi. On va parler là d'un. Là aussi, c'est un roman, donc Sous le soleil de Satan, de Georges. Ah, non des moindres. Alors, celui-ci, c'est une édition originale. Il est numéroté aussi. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, les numéros. Bah, je vois que tu as des pépites. Hein. Oui, oui. Bon, celui-ci peut se trouver. Il y a un beau tirage. Alors, ouais. le Bernanos, oui, Bernanos, c'est un sacré auteur qui a écrit notamment sur le conflit entre le bien et le mal à travers donc, la religion. Et là. Ouais. Cette histoire, Sous le soleil de Satan, elle est inspirée du curé d'Ars, qui était donc l'abbé Vianney. Son personnage s'appelle l'abbé Donissan dedans. Et donc c'est un prêtre qui est tourmenté, qui a le doute. Et ça revient souvent dans la littérature de Bernanos. Ouais. Je crois aussi dans la joie, monsieur, un crime aussi de Georges Bernanos, journal d'un curé de campagne, je vous conseille de lire. Et son supérieur et père spirituel, qui est l'abbé Ménou Segret, voit pourtant lui un saint en devenir, en effet, car il est surnommé athlète de Dieu. C'est Paul Claudel qui l'avait défini ainsi. Il possède donc la faculté de transmettre la grâce divine autour de lui.
Il y avait un film qui a été réalisé par Maurice Pialat, qui a été Palme d'Or en 82, Depardieu. Oui, avec. Ouais, c'est pour ça qu'on en a entendu parler, en fait. C'était avec Depardieu et Sandrine Bonnaire. Exactement. Il y a Maurice Pialat également qui joue le rôle du prêtre, justement. Alors, il va avoir une rencontre nocturne qui est assez extraordinaire avec Satan lui-même, qui est sous la forme d'un homme. Et là, il va y avoir un combat entre l'abbé Donissant et cet homme. Il a été Palme d'Or, je crois, à Cannes, c'est ça. Il a été Palme d'Or, oui, c'est ça. Tu as vu le film? Qu'est-ce que tu penses? Bien sûr, de l'adaptation? Non, il est très bon. Vraiment, il est très bon. Oui, oui, oui. En général, c'est vrai que les films tirés des romans ne sont pas forcément terribles. Mais là, on peut dire... Bon, à l'époque, on va dire le cinéma d'après-guerre, juste d'après-guerre, on savait faire des adaptations. On a eu beaucoup d'adaptations, notamment avec les romans de Simenon, qui étaient vraiment exceptionnels. Oui. Truon, j'en passe, qui sont passés à la moulinette cinématographique, et très franchement, ça donnait bien. Donc là, c'est un film, je crois, 82 ou 84, Palme d'Or, je ne me souviens plus. C'était pas une superbe époque en termes cinématographiques en France. On avait vraiment des daubes, si je puis m'exprimer ainsi. Ouais. Et celui-ci était bon. Avec une performance de Depardieu, de Sandrine Bonnaire également. Et quand on s'appuie comme ça sur des œuvres qui sont solides, hein, avec des réalisateurs comme Pialat, bon, on a quand même le cinéma français. Alors je ne peux pas parler du cinéma français actuel, que je connais assez mal, mais voilà, le cinéma français dans ces années après-guerre, c'était quand même quelque chose. Oui, je vous cherche. Donc, Sous le soleil de Satan, donc de Georges Bernanos. Bernanos qui écrit beaucoup d'essais et de pamphlets. Hein, et donc, il avait une plume vraiment vitriole, une superbe plume. La France contre les robots, je vous conseille, qui est un essai qui est toujours d'actualité. Bernanos est parti s'exiler, notamment au Brésil. Il a tenté de faire de la culture nourricière avec sa famille. Ça n'a pas du tout marché. Il était ruiné. Il a vécu toute sa vie sans argent. C'est quoi le thème de la France contre les robots? J'ai entendu parler de ce... Alors, en France, l'industrialisation montante, hein, le capital montant, c'est toujours tout ça. C'est d'époque. Il montre que la machine remplace l'homme, entre autres. Il y a d'autres thèmes abordés en seconde partie. Mais c'est délicieux la façon dont c'est écrit. Alors, il y a très peu de romanciers qui savent faire du pamphlet ou de l'essai. Ce que je disais, donc, notamment Marie Souilla, récemment, je disais il y a Céline, qui nous a fait des pamphlets exceptionnels, Léon Blois et Georges Bernanos, qui étaient des auteurs, c'était des auteurs romanesques. Des pamphlets, ok. Oui, oui. Ok. Tu peux nous définir ce qu'est un pamphlet? Alors, un pamphlet, on va le dire vulgairement, c'est un coup de tronche, un coup de gueule. Un état d'âme sur le moment qui... alors, je vais prendre, par exemple, Les Décombres de Lucien Rebattet. Bon, oui, même lui, on va faire la transition, justement, c'est marrant. Oui, un pamphlet antisémite qui est sorti en 42, donc en plein conflit, qui était un coup de gueule contre, on va dire, les Juifs, mais notamment, les hématlos, ce que je veux dire, c'est les apatrides et leur insertion dans le gouvernement, ils dénonçaient comme Céline leur responsabilité dans ces conflits. Donc on va dire c'est ça, tu vois, ce n'est pas la différence d'un essai. On va parler de sujets empiriques, traités de façon empirique, qui vont être sur un thème bien donné, bien précis, avec de la recherche. Le pamphlet, c'est vraiment c'est jeté quelque part. Ok, c'est plus direct, c'est Ah oui, c'est à volo même. Ouais. Bah, tu parlais donc de Rebattet. De Lucien Rebattet avec les deux étendards donc qui datent de 1952. C'est ça. Donc là, nous avons édition originale. Il est en deux tomes. Hop. En deux tomes, d'accord. Ça, c'est les premières versions de 51. Okay. C'est l'œuvre de... Alors, Rebattet n'a écrit que deux romans, hein, donc Les Épimures, qui traitent notamment de la musique, Les Épimures, parce qu'il faut savoir que Rebattet est un critique de littéraire, peinture, musique, mais c'était un mélomane, il écrit une histoire de la musique. Mmh. Les deux étendards, je vais vous le dire clairement, de mon point de vue, c'est le plus grand roman du XXe siècle. Voilà, okay. C'est dit. c'est sublime. Ça traite... Tu le pitches ? Ça parle de plusieurs, on va dire, thématiques. Qui sont, alors il y a un personnage principal,
c'est autobiographique, hein, plus ou moins, qui est agnostique, et qui représente Rebatet, parce qu'il faut savoir que Rebatet est un collaborationniste, mais était dans la veine républicaine, ce n'était pas un monarchiste ni quoi que ce soit, donc il était purement athée. Et on a face à lui un ami qui veut rentrer donc, au séminaire, qui veut devenir curé. Entre ces deux personnages, il y a une femme, une jeune fille, parce qu'ils sont jeunes encore, hein, sont des étudiants. Et durant les deux tomes, il y a ces thématiques qui sont approchées, qui se confrontent. Et au milieu, il y a toujours cette jeune fille qui est amoureuse du futur séminariste, mais ce futur séminariste va sacrifier son amour avec cette jeune femme pour rentrer donc dans les ordres. Dans les ordres. Il va être désespéré. Le personnage agnostique, qui n'est autre que Rebatet, va au début avoir simplement des vues tout à fait saines, qui est de la consoler, mais au fur et à mesure va se tisser un amour pour cette jeune fille, qui ne va pas le voir, justement, car elle est toujours amoureuse de ce jeune qui va rentrer séminaire, plus avoir de nouvelles de lui, plus jamais. Et un amour fou, déchirant, entier et profond va se créer entre ces deux personnages jusqu'à se déchirer. C'est sublime. C'est servi par une écriture, une plume, mais hors norme. Lucien Rebatet était ce qu'il était, ouais. Il était un vrai collaborationniste. Il était vraiment avec Hitler, vraiment avec les Allemands. C'est pas pétant, on ne peut pas confondre. Il y a collabo et collaborationniste. D'accord, là c'est chaud. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et, là, pour le coup, donc, lui, il a été aussi condamné à mort. Il était avec Pierre-Antoine Cousteau, qui n'était autre que le frère de Jacques-Yves Cousteau, qui ouais. a réussi auprès du général de Gaulle à le faire sortir de prison. Rebatet a été gracié en 1952, si je ne m'abuse. Et a poursuivi donc sa carrière d'auteur. Mais Rebatet, même, on peut l'entendre c'était une émission de Jacques Chancel qui était Radioscopie. On sent que c'est pas quelqu'un qui était très sympa, mais c'était un auteur hors norme. Vraiment. Il n'écrit que deux romans. Celui-ci, c'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà. C'est bien que tu parles justement de Rebatet avec cette grâce, donc, parce que De Gaulle a gracié hein, des collaborationnistes. Hein. Oui, il y en a eu plusieurs. C'était souvent François Mauriac. Bon, tu avais même la gauche qui est venue au secours, même des gens comme Camus, qui sont venus au secours de leurs ennemis politiques. Ouais. Ça, j'ai bien aimé quelque part, tu vois. C'est, ouais, on peut dire, bon, aujourd'hui, c'est pas ce qui arriverait. On avait des gens avec une certaine noblesse à l'époque. C'était ça aussi la France. Ils pouvaient être de gauche, mais c'est une gauche beaucoup plus douce, beaucoup plus édulcorée. On pouvait encore se comprendre. Là, on se comprend pas. On se comprend plus. Se comprendre et se pardonner aussi. Oui. Se comprendre et se pardonner parce que peut-être qu'il y a eu justement ces grandes guerres en fait. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas forcément une guerre, hein, on le sait, hein, c'est une guerre de l'information, de propagande et de l'ingénierie sociale. Mais quand il y a des coups durs, voilà, comme je vous disais tout à l'heure en début d'émission, ça fait éclore des grands hommes et ça peut aussi induire certaines attitudes beaucoup plus nobles et courageuses, notamment de nos hommes politiques. Hein. Est-ce que Rebatet a eu comme ça une chape de plomb ou est-ce qu'on l'a écarté par rapport justement à ses propos antisémites à l'époque? C'est même pas qu'il a été écarté. Aujourd'hui, est-ce que on a tendance à en parler ou est-ce que c'est des auteurs que l'on met de côté malgré leur talent? Aujourd'hui, ils sont toujours mis de côté. Hein. D'ailleurs, les deux étendards ont été. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on l'a réédité. Il est raisonné maintenant. Il y en a un volume, c'est laid, je trouve. Il a été édité qu'à trois reprises. C'est pour te dire, il y a eu une première édition 51, je crois, une en 52, et puis après, ça a été boudé. De toute façon, il a été boudé parce qu'il était issu. Alors, il faut savoir qu'il a écrit en prison. Hein. Très important. Très important. Okay. Imagine. Donc, je pense qu'il est à fleur de peau quand il a écrit ça. Ouais, il y en a un autre qui a écrit un grand livre en prison aussi. C'est les désadaptards, donc c'est en deux volumes. Donc on vous conseille d'aller chercher. Donc là, par contre, les éditions peut-être en occasion. Et voilà, ça se trouve encore, Alexis. Oui, ça se trouve. Alors vous pouvez le trouver en neuf, donc un peu partout vu que c'est la NRF. Hein, donc raisonné. Fouiner chez les bouquinistes sur les quais, marché du livre ancien, même autre part, ça se trouve. Hein. Là, ce sont deux éditions originales, donc ça a un prix. Mais on peut le trouver aisément. Allez, des éditions comme ça, on peut trouver d'occasion 40 euros les deux, 50 euros les deux. Bon.
C'est un roman de 1200 pages, hein, quand même. S'accrocher, ouais. Ça se lit bien. Bon. C'est écrit en petit, la pagination est horrible. C'est vraiment... Ah, d'accord. C'est écrit en petit, donc il va falloir s'accrocher. Voilà, à peu près le... 1200 pages comme ça. Ouais. Mais on veut pas que ça se termine. Ça fait partie des romans dont on ne souhaiterait pas qu'ils se terminent. On te fait confiance sur ce coup-là. On va continuer avec le troisième, donc avant la fin. Hein, ton numéro 3, c'est un livre de 1937. Donc, Robert Brasillach, Comme le temps passe. Comme le temps passe, sublime. Donc, ça fait le lien avec Robatet, ils se sont connus, ils ont travaillé. Oui. Je suis partout aussi. Donc, ils étaient journalistes, ils sont passés par l'Action française tous les deux. Donc, très bien connu Charles Maurras, et on a eu d'autres un petit peu plus âgés, donc Michel Déon, après qui en parle, qui était chez les Hussards. Et, Robert Brasillach a été condamné à mort et a été fusillé. Je crois qu'il avait 34 ou 36 ans, je ne me souviens plus exactement, je n'ai plus ça en tête. Il a été fusillé à Montrouge, au fort de Montrouge. Il est mort jeune pour une soi-disant photo en uniforme allemand. Et en fait, il ne s'agissait absolument pas de lui. Donc, le général de Gaulle n'a rien voulu savoir. Mauriac est intervenu en sa faveur, comme d'habitude. Mauriac était un peu le sauveur des collabos. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a été fusillé, il est mort trop jeune. Je pense que c'est un des auteurs qui a le plus de sensibilité, un auteur d'entre-deux-guerres. Notre avant-guerre, il avait écrit Le voleur d'étincelles, j'en passe. Cette couleur d'arc-en-ciel, cette couleur, pardon, et celui-ci, je vais vous montrer parce que c'est une édition originale, un service presse, et il est agrémenté magnifiquement. C'est quoi un service presse Service presse, c'est ce qu'on envoie au journal pour sa promotion. C'est une forme d'édition originale. Okay. Et donc à François Roux, qui est un auteur. Donc on a l'exemple d'un envoi, donc celui-ci de Robert Brasillach, je ne sais pas si on le connaît, voilà, à François Roux, qui était un autre auteur. Donc, il a sa valeur. Il s'agit d'une histoire d'amour. Mais attention, ce n'est pas une histoire d'amour à l'eau de rose. Je ne suis pas là-dedans. Okay. Pas ça, d'accord, en général, ça me gonfle. D'accord. Mais là, il s'agit d'une histoire vraie. C'est tiré d'un récit, de récits qui étaient des amis, je crois, sud-américains ou espagnols, je ne sais plus trop. Et il l'a mis en roman. Donc, il y a une espèce d'amour très fort, une immense passion entre ces deux personnages qui vont avoir un enfant, qui vont se perdre et qui vont se retrouver à la fin, mais de façon singulière. Je vous laisse le lire. Je ne veux pas dévoiler. C'est pas de l'eau de rose, mais alors absolument pas. Et puis c'est servi par une plume tout à fait exceptionnelle. Brasillach, c'est quelque chose. Ah ouais. Donc voilà un petit peu pour tous ces auteurs. Ben, tu vois, ces auteurs dits collaborationnistes, ouais. Vraiment des auteurs hors normes. Hein. Donc là, on en a fait Cléuzin, on a fait Béraud, on a fait Béraud qui n'a jamais collaboré, en plus, c'est débile. Ouais. Brasillach, Robatet, je ne sais plus qu'est-ce que l'on a fait d'autre. Mais on en a un autre à la est-ce fin. Que... Ouais, ouais, on garde le meilleur pour la fin. Est-ce qu'il y a dans ces histoires, je dirais, dans la grande littérature française, des histoires d'amour ou de mœurs, etc., est-ce qu'il y a ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein, tout ce qui est tendance LGBTiste? Des amours comme ça, je dirais, homosexuels et... Ah oui, j'ai Perfide qui a écrit un livre sur le sujet, je crois qu'il y a eu le Goncourt, si je ne m'abuse. Tu as Monterland directement, oui, Gide, Jouando, mais c'est de façon plus subliminale. Enfin, c'est pas amené brutalement. C'est quand tu lis les jeunes filles de Monterland, ouais. Quand tu le lis bien, tu comprends bien, tu arrives à lire entre les lignes, tu en fais une exégèse, okay, un petit peu de ce roman. C'est pas des jeunes filles en vérité, c'est les jeunes hommes. Donc, okay. C'est important de le préciser, les gens ne le voient peut-être pas, il faut bien le lire, c'est très important, ouais, de décrypter des gens comme Monterland. Monterland aimait les jeunes garçons, il allait aux Vespasiennes dans les rues pour voir ce qui se passait à côté lorsque la braguette était ouverte, excusez-moi, que c'était un petit peu les pour un auteur, c'est pas très reluisant. Quand on voit le quai ou place Monterland devant le musée d'Orsay, pourquoi? Ok. Pourquoi pas une place Céline? Pourquoi pas une place Léon Blois? D'accord. Ouais, il faudra se poser la question. On va attaquer avec les deux derniers. Donc,
immense morceau. Deux gros morceaux, donc tu as choisi François René Chateaubriand, Mémoire d'autres tombes, donc qui a été écrit apparemment sur quasiment 40 ans, non ? 40 ans. Alors je vous montre à peu près, hop, petit volume du fin 19e. Voilà, il est sur plus, c'est 10 ou 12 volumes, je ne me souviens plus exactement. Ah oui, c'est pas juste un livre. Donc. Non, ça se lit. C'est une collection. C'est... Ça se lit bien. Ça se lit vraiment bien. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, on voit ce qu'on appelle le frontispice. Donc, c'est l'ouverture. Ouais. Avec un portrait de ce dernier lorsqu'il était jeune. Et pour l'histoire, en fait, Chateaubriand, c'est sorti. Mémoire d'outre-tombe, c'est sorti après sa mort. Ça faisait partie de. Ouais, 1841, c'est ça ? Voilà, 1840. Il a écrit entre 1809. Et 1841, voilà. C'est important de le savoir. Donc, ça a été surtout le premier volume traité au niveau comment son père, parce que c'est une famille noble, a redressé la famille. Alors, ils étaient vraiment en bankrupt, si je puis dire. Il a redoré le blason familial. Et Chateaubriand, était, on va dire, traducteur, homme politique, écrivain, diplomate, historien. Il a traversé la Révolution française. Il en parle. Justement à l'intérieur, il a traversé le Premier Empire, la Restauration, et j'en passe. Il a écrit un traité donc sur la monarchie que je possède, qui est assez sublime. On a le génie du christianisme aussi, ça je conseille à tout le monde, le génie du christianisme, c'est Atala aussi, c'est un roman. Mais là, les mémoires d'outre-tombe donc, sont des mémoires donc, sur 40 ans, il est parti en Amérique, voyager, il a descendu le Mississippi donc, en barque, il a rencontré les Indiens américains, il s'est installé dans leur tipi, a vécu avec eux pendant un temps, donc il retrace aussi toutes ces périodes dites historiques qui sont très importantes, car le 19e siècle a été très riche en rebondissements politiques et en changements de régime, on a tout eu, on a eu une monarchie de droit divin, on a eu deux empires, on a eu la République, on a eu un passage entre... comment on appelle ça, la monarchie de Juillet ensuite, qui était la monarchie de Louis-Philippe, qui était une monarchie dite révolutionnaire. Louis-Philippe a assis la révolution. Hein. Il était le fils de Philippe Égalité, qui était le cousin de Louis XVI et qui était l'un des créateurs du Grand Orient de France et qui était au 33e degré. Donc on voit un petit peu, et ensuite, on a un petit peu, le comment on appelle ça, de Chateaubriand explique un petit peu, raconte, un petit peu toutes ces étapes-là. Donc, il est mort avant la Révolution de Juillet, hein, car il était 48, je crois. Mais il relate un peu toute cette période et son testament disait bien. Alors, c'est sorti en épisode dans un quotidien au début et ensuite, ça a été raisonné. Ça a été compilé ensuite. Voilà. Il faut commencer, n'ayez pas peur, c'est une langue sublime, hein, Chateaubriand. Au début, on ne va pas se taper toute la collection. On va commencer peut-être par le premier pour donner le goût. Ah, le premier exceptionnel, c'est le mon préféré. Ah oui, ok, bah, ça tombe bien, on commencera par le premier. Allez, on va finir par celui, je pense que vous en doutez, tu le sors, il va... Voilà. Tiré de l'édition originale, voilà, à quoi ressemble Voyage au bout de la nuit, magnifique pavé. Donc Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline. Ça a débuté comme ça, voilà. Ça, c'est la première phrase du roman, ça a débuté comme ça. Donc oui, Louis Ferdinand Céline. Alors, j'ai pris Voyage au bout de la nuit, j'aurais pu prendre Bagatelle pour un massacre, j'aurais pu prendre aussi Mort à crédit. Je pense que c'est trois écrits majeurs, c'est pourquoi celui-ci ? C'est le premier, c'est ce qui a donné le ton à sa langue, à son langage, à son écriture, ces trois petits points d'exclamation, sa façon de s'exprimer, très truculent. Ponctuation assez originale pour l'époque. Oui, il a bousculé tous les codes, hein, on peut dire. Mais Céline, donc le docteur Destouches, Louis Ferdinand Destouches, a écrit dans un but assez vénal, puisqu'il voulait simplement s'acheter un appartement. C'est tout ce qu'il voulait, il s'en fichait. Après, il a fait un doctorat donc, en médecine, il est devenu médecin de quartier. Il n'a pas vraiment vécu de cela, il avait surtout vécu de ses écrits, mais il était toujours fauché, hein. Donc, on témoigne que sa maison à Meudon, il y a eu un incendie. À un moment, il est resté comme ça, vivre avec Lucette Destouches. C'était assez, il vivait chichement, on va dire, de peu de choses. C'était un autiste, hein, Louis Ferdinand Céline. C'était un personnage assez particulier qui transformait la réalité toujours de façon truculente. C'était pas forcément un personnage très sain. On témoigne
Jean Paul, qui est un artiste connu de la butte, qui parlait avec une langue assez truculente, argotique, ouais. Qui en témoigne, donc qui se fréquentait lui, Marcel Aimé, Alphonse Boudard, nous avions Albert Parraz aussi, qui a été l'un de ses plus grands défenseurs, et il a quand même, on va dire, Jean Paul n'a plus vendre de toile pendant 10 ans, il était interdit d'y aller parce que Céline avait dit des saloperies sur lui, comme quoi il était antisémite. Donc il s'est fait arrêter net. Donc il s'est retrouvé vraiment sur la paille. Et il était assez, assez jaloux. Il était jaloux de Marcel Aimé. Un jour, il a dit, en parlant de Marcel Aimé, qu'est-ce que c'est que ce petit plumaillon, de manière assez dédaigneuse. Et Céline n'était pas un plagiaire, hein, loin de là. Mais il prenait des choses de l'existence de son existence, de ses copains. Il n'hésitait pas à appeler, il n'y avait pas le Bigorneau à l'époque, mais à demander à Jean Paul des termes argotiques, à Marcel Aimé aussi. Donc il faut voir un petit peu comment rédiger. C'est ouais, l'auteur de pamphlets aussi, donc, les fameux pamphlets. Bagatelle par un massacre, Mea culpa, L'école des cadavres. Voilà, c'est les quatre pamphlets. Alors tous ceux de la gauche, hein, on va dire de la bien-pensance, vont dire que c'est écrit avec les pieds, que c'est nul, c'est pas du Céline. Faux. C'est très bien écrit. Vous n'aimez pas le thème abordé dedans. Ouais. Magnifiquement écrit. Bagatelle pour un massacre, lisez-le. Il a été assez visionnaire sur ce qui allait se passer. Donc, non pas que sur la question juive, hein, sur d'autres questions. Bagatelle pour un massacre vaut vraiment, vraiment le détour. Et bientôt en émission sur la chaîne avec Marie Souilla. Ok. Ok, non, mais tu l'as bien vendu. Est-ce que tu peux nous pitcher le oui, thème, le voyage au bout de la nuit ? Le voyage au bout de la nuit, c'est purement autobiographique. Hein. Ça démarre donc dans les tranchées. Il a été blessé à l'épaule. Il pouvait plus rien faire. Il était invalide. C'est là qu'il s'est tourné vers la médecine. Et on va le voir à travers ses voyages. Il est parti à New York. Il est parti au Cameroun. Il parle de son quartier aussi. Là où vivait sa mère, c'était le passage Choiseul à Paris. Donc, ça relate un petit peu sa vie. Et au travers de presque 600, 650 pages, c'est très truculent. Il y a des passages complètement dingues. Je ne veux pas le raconter. Il faut vraiment se plonger dedans. Auteur majeur, quand même. Auteur français, oui, auteur majeur. Oui. C'est pas pour être snob, hein, c'est vraiment un auteur majeur. Ouais, c'est auteur entre deux guerres, hein, parce que là, le roman donc, date de 1932. C'était pour se payer son appartement important chez De Noël et Steele. De Noël et Steele, donc De Noël, donc Steele qui avait été ensuite assassiné. Il faut savoir que les deux éditeurs réunis ont été assassinés. C'est ensuite les éditions donc, De Noël, tout court après, ont été absorbées. Gallimard, donc Gaston Gallimard a repris et a republié Voyage au bout de la nuit aux éditions des NRF Blanche et tout le reste il avait pris aussi Mort à crédit, sauf les pamphlets. Les pamphlets ont été interdits. Les pamphlets sont toujours interdits en France. Ah bon, ok. Oui, vous pouvez les procurer comment ? Alors, chez les bouquinistes, il y a une version chez Omnia Veritas, il y a une version aussi chez les Canadiens, la version dite piratée. Il y a même l'un des bouquinistes sur lesquels qui s'appelle Jean, un vieux monsieur, qui a préfacé une partie de cette édition piratée et aussi celle dans la Pléiade. Merci Alexis, on va terminer par ton roman parce que tu sors un livre avant d'en parler. Ne sois pas trop précis. On va reprendre ton livre. Donc c'est Henri Béraud, le bois du Templier pendu. Ensuite donc il y a Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, suivi de Charles Péguy, Ève. Sublime. Guisman, À rebours, Jean de la Varande, Le troisième jour, Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan, Lucien Rematé, Les deux étendards, meilleur roman du XXe siècle, Dixie Alexis Chevarnet, suivi de Robert Brasillac, Comme le temps passe, Les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, suivi de Voyage au bout de la nuit
de Céline pour arriver donc au roman de Alexis que tu as écrit qui s'appelle Le goût du silex. C'est ton premier roman, Alexis? C'est mon premier, il a été réédité. Il était déjà sorti sous un autre nom. Mais je n'étais pas satisfait donc du travail de l'éditeur. Oui. J'ai repris mes droits et Sylvain Durin, donc des éditions. Alors, notre ami Sylvain Durin, parce qu'il est intervenu plusieurs fois sur la chaîne pour parler justement du matriarcat, avec le sang du père, etc. Exactement. Et donc c'est lui oui. qui t'édite. Hein. Donc c'est les éditions du Verbe Haut. Je vous ai mis en descriptif le lien. Si vous voulez commander ce roman, parce que alors il y a une interview que tu donnes sur le site de Sylvain et ça donne vraiment envie de te lire parce que tu t'es inspiré en fait voilà de gérer ton amour de cette littérature française pour ce roman qui est un roman qui est ancré hein, dans cette France que tu aimes. Qui n'est pas forcément une France surannée, parce que je pense qu'elle existe encore, en tout cas dans le cœur de beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner le thème de ce roman, de t'écrire un petit peu? Je ne vais pas raconter l'histoire, je pense que... Non, ne raconte pas l'histoire, mais donne-nous envie. Ce n'est pas marchand, hein. c'est important, sinon ça n'a pas de sens. Et l'histoire apprend tout son sens... par l'écriture que j'emploie, donc une écriture que je veux soigner, j'essaye, hein, je ne dis pas que j'y parviens forcément, ponctuée d'argot. Donc l'argot étant une langue des faubourgs parisiens, okay. Je le répète, c'est ce que je dis dans d'autres interventions, mais qui était une langue riche, imagée, et qui était témoin d'une époque encore, d'une France que l'on aimait, hein. On peut voir le cinéma d'Audiard, Gabin, Ventura... Toutes ces époques, mais pas que. On peut voir aussi lire au travers de certains auteurs tels qu'Albert Simonin, donc qui est le papa des tontons flingueurs, touchez pas au Grisby, un autre Grisby, le Houtu, l'élégant, lisez l'élégant, c'est absolument fabuleux. Nous avons aussi Raymond Queneau a beaucoup travaillé la langue française, et notamment l'argot. Nous avions Marcel Aimé, tout à l'heure, bien sûr Marcel Aimé, qui d'autre encore, Alphonse Boudard, digne héritier Louis-Ferdinand Céline, Albert Parraz aussi, très important, Léo Mallet aussi, avec Nestor Burma. Donc il y avait... Audiard peut-être aussi, non? Bien sûr, et surtout Audiard. Audiard était un magnifique dialoguiste, donc il a tout de même pérennisé la langue française au travers de sa propre langue, hein, parce que les gens ne parlaient pas comme ça, ni les voyous. Hein, c'est une langue fictive, et c'est ça qui est sublime. Avec des répliques du tac au tac comme ça qui m'envoyaient. Ce roman est écrit ainsi, mais c'est un roman sur l'enracinement au travers du cheminement d'un jeune garçon qui s'appelle Léonard, qui vit avec sa grand-mère à Paris et qui veut partir en vacances, en grandes vacances, dans une ferme qui appartient au cousin de la grand-mère, qui est tout en haut d'une colline en Touraine. Et là, il va avoir tout un cheminement à travers un tas de choses, notamment la virilité au travers de ce fermier qui l'inspire lui-même à devenir un homme plus tard, au travers aussi de cette nature luxuriante. Donc, c'est très contemplatif. Je me suis attaché énormément aux descriptions et notamment aux bruits, aux odeurs, aux couleurs, aux paysages. Et aussi, j'ai travaillé du mieux que j'ai pu les personnages. Ce sont des personnages très trempés. Donc, on va voir ce qui va ressortir. C'est une France gouailleuse, comme on aimait, qui peut ressembler justement au cinéma d'Audiard, pour ceux qui ne sont pas penchés sur les ouvrages dont je parlais, les auteurs. Et j'ai travaillé aussi énormément toute la partie donc dialogue, elle me paraissait très intéressante. Il y a énormément de références littéraires, cinématographiques, mais des messages sous-jacents, subliminaux. C'est-à-dire, je peux parler de ma passion qui est la littérature, la bibliophilie, la France, le catholicisme, tout ça, mais je ne veux pas la porter comme ça sur la table en disant « oui Bernanos, oui Robatet », non. Il faut que ça soit amené de manière plus fine, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est très important. Certains reconnaîtront certainement où sont cachées les références. Il ne suffit pas de démontrer que je connais, on s'en fiche, je suis personne. Ouais, bien sûr. Ce qui est important, c'est l'histoire, la trame, tout ce qui se passe. Donc c'est une histoire avec beaucoup de scènes très truculentes, donc Rabelais m'a inspiré, hein, vraiment, Rabelais, donc Gargantua, Pantagruel, c'est très important, donc ça c'est l'humour à la française,
Donc, cet humour rabelaisien m'a énormément inspiré, m'a animé dans l'écriture. Francis Cousin est à la source de l'écrit de ce roman, hein, car il m'avait fait faire un exercice qui était de rédiger mes meilleurs et pires souvenirs. Ouais. Suivez mes meilleurs souvenirs sur un chapitre, un second, un troisième. Ils m'ont donné ensuite un roman, je suis revenu dessus, j'ai corrigé. Et j'ai essayé, en me cherchant, de donner quelque chose qui me ressemblait, qui était assez jeté. Et j'en suis assez satisfait. Et Pierre Hillard, au début, me l'avait préfacé, mais ouais, la préface divulgâchait le roman. Donc, il a préféré le mettre en postface, pour pas trop en dire. Et il a saisi vraiment le pourquoi les mots aujourd'hui qui règnent sur la France, mais les fondations de ce mal, d'où elles viennent. Il a bien saisi hein, où je voulais en venir. Et ça a été vraiment roman mené de sa part. Nous avons enregistré une émission hier soir avec Marie Souilla. Oui, vous allez publier prochainement, mardi. Je crois, c'est mardi. Mardi à midi. Avec Pierre Hillard. Ouais. On a fait un trio, vraiment une très 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 belle émission. Je vous encourage à venir sur la chaîne pour aller la voir et vous intéresser à ce roman. On voilà. regardera et puis écoute, tu as eu la gentillesse de me l'envoyer, donc je ne l'ai pas encore reçu, mais je lirai, j'en parlerai, puis je te réinviterai de toute façon dans le club pour partager avec toi, parce que tu as plein de centres d'intérêt d'ailleurs. Voilà, quand je t'ai offert mon livre, tu m'as dit, moi l'alimentation ça m'intéresse, l'alimentation, le localisme ça m'intéresse. Oui, tout ça. Et donc on s'est dit que j'allais venir chez toi sur ta chaîne pour en parler. Oui, tu vas venir bientôt même, c'est prévu. Voilà, donc c'est super. Merci beaucoup Alexis. Est-ce que tu as été content du format? Est-ce que ça va? Non, j'en suis ravi car j'aime beaucoup. C'est vrai que je ne m'exprime pas assez sur le sujet. Ouais. Parce que tu sais, je n'aime pas trop me mettre en avant, très, très honnêtement. Je préfère mettre en avant les auteurs, c'est important. Je ne suis personne, tu vois, c'est ce qui est important. Tu es auteur maintenant, donc. Et puis, voilà, tu donnes, tu transmets cette passion. Je l'ai senti chez toi. Tu as toujours cette réserve hein, qui est pour moi, en tout cas, très, très honnête lorsque tu fais ces interviews. Tu ne coupes pas la parole, voilà, tu restes beaucoup en retrait. Mmh. Et là, je pense que tu nous as partagé en tout cas ta passion, en tout cas, tu nous as donné envie d'aller découvrir ces auteurs. Je vais prendre une question qui me paraît intéressante parce que je voulais te la poser. Mm-hmm. C'est un gros lecteur hein, du club qui s'appelle Michael Mendes qui te demande quel est ton écrivain contemporain là, actuel préféré. Est-ce que aujourd'hui, tu as... aujourd'hui aucun. Ouais. Aucun. Ok, c'est clair. Désolé, aucun. Alors certains vont parler de attends, j'ai peut-être attends, ça va me revenir. Un trou de mémoire, je l'ai sur le bout de la langue. Houellebecq, non ? Ça va revenir. Mais les plus proches, Henri Vincenot. Michel Déon. Mais bon, Michel Déon est mort en 2016. Il n'y a plus de vivant. C'est Saint-Laurent aussi, donc Jacques Laurent. Mais aujourd'hui, vivant, non, j'arrive pas à trouver satisfaction. Bon, je les trouve assez. Désolé, hein, c'est peut-être pédant ce que je veux dire, mais je les trouve médiocres. Et à la hauteur de la déliquescence que subit aujourd'hui le monde et surtout notre pays. Donc, ce sont des gens qui sont habités par le modernisme, les changements, le progressisme. Ça ne m'intéresse pas. Houellebecq ne m'intéresse absolument pas, même si je le lis, même si je l'ai lu. Ce ne sont pas des auteurs très intéressants. Si ce n'est voir un dépressif accro au sexe qui se roule dans la médiocrité marchande. J'en vois pas trop l'intérêt. Ouais. Après, c'est un peu symptomatique de la culture en général. Hein. Moi, tu sais, je suis beaucoup plus, spécialiste de tout ce qui est musique et je me retrouve dans des groupes anciens, dans les années 60, 70, parce que j'aime beaucoup le rock, que dans la musique actuelle. Voilà. Et c'est une espèce de barbarisation hein, de la culture. En tout cas, tu nous as donné l'envie et le goût d'aller nous pencher sur quand même, on a quand même de sacrés auteurs en France. Quoi, on avait de sacrés auteurs en France. Ouais. Ça ne s'efface pas. Ça ne s'effacera pas. Ça ne s'effacera pas, ça restera. Mmh.
Et c'est voilà, il ne tient qu'à nous, voilà, de nous y intéresser et surtout de transmettre également à nos enfants le goût de la lecture, voilà, de les sortir de ces tablettes, de ces jeux vidéo et de les plonger dans les livres, voilà, pour qu'ils puissent se construire un cerveau et qu'ils gardent cette passion que tu as connue toi enfant. Tu as eu cette grande chance peut-être d'avoir cette grand-mère qui t'a fait aimer la lecture, parce qu'une fois que tu aimes lire, tu gardes cette passion, j'irai, toute ta vie. Voilà. Toujours, toujours. C'est la lecture vous enracinera, la lecture vous fera prendre conscience ce qu'est d'être français, ce qu'est d'être un croyant. Ça, c'est fondamental. Si vous ne lisez pas, vous serez perdu. Voilà. Les révélations sont des écrits. Et vive la lecture et vive la France. Et vive la France, et vive le roi. Dieu, la nation, le roi et la famille. Reste avec moi, on va se parler en off. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexis. Merci à vous tous qui avez suivi ce live en direct. Vous aurez l'occasion de revoir Alexis dans le club. Et merci à vous qui allez voir ce replay. N'hésitez pas, allez piocher dans la sélection d'Alexis. Vous ne serez pas déçus. Passez une très bonne soirée. Je vous dis rendez-vous. Bonne soirée à vous tous. Merci encore. À demain. Salut, Alexis. Au revoir. Salut. Salut. Thank you.